nombreux que les enfants de Pénina. Amen. Gloire à Dieu. Prends-moi, reviens en 1 Samuel. Élie bénissait Elkana et sa femme. Élie, vous savez pourquoi il est béni? Parce que ils ont fait, quand le moment est arrivé, ils ont accompli la promesse. C'est là le problème. Beaucoup de personnes font des promesses à Dieu. Amen. Mais quand Dieu les bénit, pas encore. Alléluia. Amen. Ils oublient carrément la promesse. On m'avait raconté l'histoire d'un monsieur. Depuis son enfance, il dit il va devenir prêtre. Jusqu'au quartier, on appelle l'abbé. L'abbé, mon père. Et puis il répond bien. Mais quand il a goûté au fruit interdit, c'est fini. Il n'est plus prêtre. Il a eu bac. On dit séminaire. Il dit quoi? Moi. C'est fini. Il va pas au séminaire. Il a l'université. Il a fait droit. Quand il a fini de faire son droit, il est sorti avocat quelque part. Il a son cas. Amen. Amen. Il a gagné comme ça. Vous savez, depuis que Adam et Ève ont trompé Dieu dans le jardin d'Eden, il est devenu on ne le trompe pas. Tu as trompé Dieu, tu es mort. Je vais remercier ce témoignage. Hein. On dit, il y a un séminariste qui, avant de faire le. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça dans leur coin là-bas, mais avant de faire l'ordination diaconale, on fait l'entretien. Est-ce que tu veux devenir prêtre? Si tu ne veux pas, tu nous dis aussi ton diplôme, tu t'en vas dans la vie active. Oh, il a vu. Donc, il a regardé. Là, il a demandé à sa copine, à chérie. Après là, c'est compliqué. Hein? La fille dit, il faut voir toi-même. Il faut voir. Elle n'a rien dit. Il faut voir. Il est parti. Il dit à l'évêque, bon, lui, il a bien réfléchi, il ne peut pas. Il veut aller, il veut devenir laïque. On dit, pas de problème. On sait qu'ils sont diplômés, on lui donne. Il court quoi? Chérie. Non. J'ai refusé, je ne peux pas. Je ne dois pas prêtre. Je vais te marier, je t'aime trop. La fille a regardé comme ça. Hein? Dieu qui est grand là. Dieu qui est puissant là, tu l'as trompé. C'est pour moi là, c'est petit. Ça l'a aussi, vous ne voyez pas. Faut pas dire. Alléluia. Pour me tromper, c'est la parce que tu as trompé Dieu. Moi, je sais qui. C'est pour me tromper ici. Prends go ici. Non, je ne vais pas. Faut partir. Alors, ce monsieur, lui, il s'est marié et il vivait bien. Voilà qu'un jour, sa femme, ses enfants et lui étaient dans une voiture. Ils partaient quelque part. Un mauvais accident. Il est arrivé. Les trois, c'est-à-dire sa femme, parce que les deux enfants, sont restés dedans. Le monsieur était bouleversé. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur. Un jour, dans une vision claire, ça, c'est même pas quelqu'un qui est venu dire. Humain. Dieu va lui dire, tu m'as dit que tu allais devenir prêtre. Où ça y est? Il va se rappeler qu'il avait trompé Dieu. Quand il a fini de digérer sa peine, il allait au séminaire. Amen. Et il est sorti prêtre. Quelques années après, lui-même il est mort. Alléluia. On ne trompe pas Dieu. Quand tu fais une promesse, il faut l'accomplir. Elle a fait la promesse de donner Samuel. Elle a fait la promesse de donner Samuel. Elle a donné Samuel. Alors quand elle a donné Samuel, maintenant, le Père est libre. Grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi. Ah, reconnaissance pour tous tes bienfaits, mais voici Seigneur, oh, j'ai consacré ma vie entière, et ce qui est en moi. Alors bien-aimés, on va se tenir debout, et nous allons prier. Tu vas commencer à présenter ta situation comme Anne a présenté sa situation. Bien aimé, la Bible dit que Anne était comme dans une presse.
Quelle est ta stérilité? Quel est le manque? Ouvre la bouche pas. Ouvre la bouche pas. Je veux t'entendre prier avec puissance. Je sais que tu es capable de tout, Seigneur. Je n'ai pas de tout, Seigneur, je suis. Tout, Seigneur, je suis. Je ma voix, Seigneur, de tout puissant. Je prie, Seigneur, ma supplication, Seigneur, je suis. Seigneur, prends l'oreille, Seigneur, ma supplication, Seigneur. Seigneur, alors on va lever les mains simplement. Ce soir, ce n'est pas une question de chute spectaculaire, mais c'est une question de se laisser visiter par la présence de l'Esprit. Oh. La présence de l'Esprit du ressuscité. Tu vas te laisser emballer par cette présence merveilleuse. Parce que, certainement, toi aussi, tu as besoin de l'action de Dieu. Père, je te rends grâce. On va chanter ce cantique. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Oh oui, Seigneur. Chante ce cantique avec vie. Dis seulement un mot, Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement. Seigneur, dis un mot. Père, dis un mot. Pour que ma situation change. Père, dis un mot. Toi qui connais ma vie. Seigneur, dis un mot. Je prie avec toi, papa, que tu la vis.
puissance, Père, que l'onction de Dieu tombe sur sa vie. Que Seigneur Père, tu restaures son âme, tu restaures sa vie. Et que toute présence, Père, qui ne l'ont pas, ô Papa, ton nom en elle, soit brisée. Déstabilise tout réseau satanique maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh. Le Seigneur te dit dans la forme. Je n'ai pas changé. Je reste toujours ton Dieu. Continue d'espérer. Continue d'espérer. Parce qu'ils se montrent le doigt. Ils ne comprennent pas. Fais-tous. Je prie avec Dieu. Toi qui connais son identité, toi qui connais sa vie. Le marque, Seigneur Père. Restons-le maintenant. Restons-le maintenant. Restons-le maintenant. Restons-le maintenant. Brise. De Jésus-Christ, je décrète la libération. Je décrète la libération. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Remplis-le de ta présence. Casse toute présence dans sa vie. Là où Seigneur Père, l'ennemi, mon Dieu, Père, attaquez son âme, attaquez son esprit. Je proclame sa délivrance maintenant. Je proclame sa libération maintenant. Les amis, consacré. Voilà. Père, maintenant son nom. Par la puissance du nom de Jésus. Elle ne vous appartient pas, c'est terminé. Brise. Maintenant vos yeux. À l'instant où je parle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cas de foyer. On veut demander ta main depuis on n'arrive pas. Viens. Ou bien on ne demande jamais ta main. Viens. On veut demander ta main depuis là, il y a blocage. Ou bien on ne demande pas ta main. Je dis garçon comme toi. Il y a garçon aussi, non?
Venez. Ah. On va prier là, ça se continue là. On va le chanter ensemble. Oh oui. Tu vas chanter avec vie. Et pendant que tu chantes, tu vas laisser ton âme s'exprimer. Tout ce qu'il dit, il fera. Il faut chanter avec lui. Oh oui, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Je dis le blocage qui faisait qu'on n'arrivait pas à te marier, ce blocage tombe. Je ne déposerai pas de main, c'est bien aimé. Mais je vois le mur s'écrouler. Le mur est en train de se fissurer. Oh, toutes ces promesses envers toi. Reçois, j'ai dit reçois tout esprit de célibat qui était attaché à ta vie, est brisé par l'autorité du nom de Jésus.